Voilà, si je branche le micro et le casque, ça devrait marcher un peu mieux. Donc bonjour, c'est Tisane, j'arrive pas à mettre le casque. Voilà. Et on se retrouve pour un petit live. J'avais envie de le faire en live, ça fait un moment que j'ai envie de faire un live sur un jeu d'énigmes. Nous sommes sur The Witness, sur PS4. J'ai déjà joué un petit peu hier soir pour voir comment ça se passait. J'ai joué une bonne heure quand même parce que j'ai eu du mal à le lâcher. Et ce sont essentiellement des labyrinthes. Voilà. Donc tout simplement, je me mets face au casse-tête. Je fais... c'est X. Ouais, j'ai pas l'habitude des manettes de PS4, donc... X pour me mettre au début du jeu. Ensuite, je fais le petit chemin avec le stick. Et quand j'arrive à la fin, X. Et d'ailleurs, je peux me mettre en mode casse-tête n'importe où. Voilà, je suis en mode casse-tête, mais ça sert à rien, puisqu'il n'y en a pas. Et rond pour en sortir. Voilà, donc on arrive, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est, on ne sait absolument rien. Voilà, mais c'est très joli. Donc là on peut voir qu'il y a une porte qui semble être l'issue de ce petit jardin. Mais on n'accède pas au casse-tête puisqu'il est barré. Donc on va suivre les câbles et essayer de les activer les uns après les autres. D'accord, donc celui-ci, il va falloir trouver le tableau précédent. C'est un petit peu de l'activation en cascade en fait. Il faut trouver le premier de la série. Eh ben c'est celui-là. Je me suis dit je le gardais pour plus tard. Ben non, c'est celui-là tout simplement. Donc là tout simplement, le jeu m'indique où est le départ. C'est là où ça clignote. Donc je m'y place, X. Et il m'indique où est l'arrivée. Donc là c'est très simple, hein. C'est juste un petit labyrinthe. Mais après au fur et à mesure, il va y avoir des contraintes qui vont s'ajouter. Et qui corse un petit peu le jeu. Voilà. Donc le début c'est toujours la grosse bulle. Alors dans la description du jeu ils disent plus de 500 casse-têtes. Alors je me disais ça y est, on va jamais en finir. Mais bon si c'est 500 petits puzzles comme ça, bon ça va en fait. L'arrivée, elle est en haut à droite. Donc on va passer par là. Et ça y est, je crois qu'on a désactivé la première barrière. C'est ça. La première barrière est ouverte. Allez, suivante. Là j'ai deux départs possibles, ça change pas grand chose je crois, juste de mémoire je crois qu'il y en a un des deux qui est impossible en fait. Effectivement celui de gauche est impossible, c'est des cul-de-sac partout. Donc à partir de droite. On va passer par là. Allez, j'ai parfois un petit peu du mal à diriger le truc. Ah bah c'était tout. Allez, next. Voilà, le troisième câble, il est là. Il va falloir faire le tour. J'aime assez bien l'ambiance de ce jeu, c'est assez contemplatif. Donc là j'ai deux arrivées, pareil, que j'atteigne l'une ou l'autre ça change rien, mais il y en a certainement une des deux qui n'est pas accessible. Ouais, il me semble bien que celle du bas n'est pas accessible. Donc la petite astuce quand on fait des labyrinthes c'est de chercher le chemin en partant de l'arrivée. Ah, oui, d'accord. Là en haut, ça a activé ce câble-là. Et en bas, ça aurait activé l'autre. Sauf que... je sais plus lequel j'avais activé hier. C'est peut-être pour plus tard, ça. Je vais ouvrir la grande porte. Et après, il faudra que je pense à venir activer le deuxième câble. Si ça se trouve, il y a quelque chose de dehors que j'avais pas remarqué. Donc, on repart. Du coup, si je veux arriver là... Ah oui, effectivement, c'était pas bloqué. Il faut juste passer comme ça, en fait. Tout simplement. Hop. Je sais même plus où c'était. J'ai ouvert les trois là? Oui, c'est bon, j'ai ouvert les trois. Ah, je peux courir, mais j'y pense pas souvent. Voilà. Donc là, tout simplement. Voilà. Et donc, comme je le disais, faut que je pense à aller finalement activer l'autre câble. Si ça se trouve, il y a un truc que j'avais loupé hier. Ah. Ah, je sais plus. Comme ça. Allez. Et donc, si je fais le tour de la structure, il doit y avoir un truc. Ça doit être par là, non? Oui! Haha! Alors, sur quoi ça ouvre? Ça, je l'avais pas trouvé hier. C'est joli, hein? Là encore, au loin, il y a un peu de houle, mais parfois... Bon, mais ceci étant, où arrivons-nous? Ah, désolé, j'ai des messages sur Discord, vous devez les entendre, je pense. Effectivement. Ah, voilà. Une porte. Alors ça, c'est un mécanisme qu'on apprend après, normalement. Il faut ramasser tous les points noirs. Tant que ça n'est que ça, ça n'est pas très compliqué. Oui, parfois il suffit pas d'arriver à l'entrée, hein. Enfin à la sortie. Ah, ça c'est un mécanisme que je connais pas. Avec la petite flèche là en bas à droite, la flèche orange, elle a certainement un sens, mais je ne sais pas du tout lequel. On va tester, hein. Ouais, non, évidemment, ça marche pas. Non, ben, il faudra revenir ici quand j'aurai appris cette particularité de gameplay. Là, par contre, je dois pouvoir le faire. Je pense qu'on peut faire un escargot, là. Tout simplement. C'est bien parce que hier j'ai joué 1 heure, mais en fin de compte je découvre des trucs que j'avais pas trouvé. D'accord, je suis revenue ici. À quoi cela... Ah ben oui, si je sais à quoi ça servait. Faudra qu'on pense à revenir ici quand on aura appris le... Comment ça s'appelle? Le gameplay avec les petites flèches. C'est vraiment joli. Hein. Ah oui. Alors là, on a plusieurs mécaniques. On a les petits points noirs qu'il faut ramasser. Et ce qui concerne les carrés les carrés blancs et les carrés noirs, en fait, il faut faire des ensembles. Mais on apprend ça juste à côté, donc je vais aller faire d'abord à côté. Comme ça, on pourra bien saisir le truc. Voilà. Donc là, l'idée... Au début, j'avais pas compris, je croyais qu'il fallait juste absolument passer entre les blancs et les noirs. Mais l'idée, c'est de faire des ensembles. Les blancs doivent être d'un côté de la ligne et les noirs doivent être de l'autre côté. Donc là, tout simplement, on va tout droit. Ici, c'est le même principe. Ici, toujours, je garde les blancs à droite et les noirs à gauche. Je pourrais faire l'inverse. Là, ici c'est toujours pareil. Donc c'est assez bien parce que les mécaniques comme ça on les apprend, c'est vraiment tuto quoi. Hop, voilà. Et c'est sur celui-ci que je me suis rendu compte que j'avais pas compris la première fois. Non, c'est sur le suivant alors. Je sais plus. Non, c'était sur le dernier, donc encore quelques-uns en fait. Ah. Ouais, non, je m'y suis mal pris, là. Recommence. Voilà. Et donc, c'est sur celui-ci que je me suis rendu compte que j'avais pas compris. C'est comme ça. Oui, parce qu'on ne peut pas se croiser. Là, je suis bloquée. Voilà, on a appris ça. Là-bas, on apprend... Je crois que c'est ramasser les points. Oui, voilà. Donc ici, il faut juste ramasser les points. Donc au début, c'est très simple, hein. Et après ça se complexifie un peu. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Ah oui voilà, j'ai déjà fait des bêtises. Hop, alors ici on va passer... ça. Là j'ai deux départs possibles mais je vais partir par celui-ci. Là j'y suis allée au pif. Ouais, si c'est bon, ça passe. Il n'y a sans doute pas qu'une seule réponse possible par puzzle. Hein. Une fois que j'en ai trouvé un, j'en cherche pas d'autres, mais il y en a certainement plusieurs parfois. Donc là on connaît le mécanisme, il faut ramasser les points noirs et séparer les rouges et les blancs. Les blancs et les noirs. Je peux pas partir par là. Parce que je pourrais pas revenir et donc je ferai qu'un seul point. Donc je peux pas passer par là. Par contre par là ça doit pouvoir se faire. ou pas, puisqu'il faut que je sépare le blanc et le noir et que j'aille également de l'autre côté, donc je peux pas partir par là. Et ensuite... Oh, je sais plus. Je vais y aller au pifomètre, vous savez quoi? Oui, bah c'est mort. C'est mort parce que le point là à droite, je pourrais pas l'avoir. Donc c'est pas par là. Par contre, si je fais... Non, je peux pas partir par là en fait. À moins que... Si, on va essayer. Il faut que je garde le blanc à l'intérieur. Non. Comme... Je vais y arriver. Comme ça. Et non, mais du coup celui-là je peux pas l'avoir. Donc on va faire autrement. Comme ça, voilà.